Qu'est-ce qu'une année de congé? Avec cette voix, tu fais une pause après l'école secondaire. Une année de congé est souvent prise avant de commencer des études collégiales ou universitaires. Il est également possible de faire une pause avant de pratiquer une profession ou avant d'entreprendre une formation post-secondaire comme un programme d'apprentissage. Il existe plusieurs raisons de vouloir prendre une année de congé. Tu dois prendre en compte tes objectifs, tes circonstances personnelles et tes finances. Quelle que soit la raison, il est bon d'avoir un plan pour ton année de congé et de savoir ce que tu aimerais en tirer. Beaucoup de personnes profitent de leur année de congé pour travailler ou suivre un stage. Cela peut t'aider à mettre de l'argent de côté pour l'université ou un autre objectif important. C'est aussi une excellente façon d'essayer une profession qui t'intéresse. Tu peux en apprendre davantage sur le secteur d'activité, créer des liens et garnir ton CV. Certaines personnes font du bénévolat pendant leur année de congé. Cette option te permet de consacrer une partie de ton temps à redonner à la communauté. Tu peux également rencontrer de nouvelles personnes et développer des compétences pratiques comme la communication et le travail d'équipe. Le voyage est une autre option. Voyager te permet de découvrir le monde. Tu peux apprendre au sujet d'autres cultures et d'autres langues. Tu peux aussi obtenir une perspective plus large et une plus grande autonomie. Voyager peut être dispendieux, alors tu voudras peut-être travailler en même temps. Certaines organisations offrent des programmes conçus pour les gens qui prennent une année de congé. Tu dois souvent payer pour pouvoir y participer. En retour, ces programmes te trouvent un travail ou une occasion de faire du bénévolat dans une autre province ou un autre pays. Peu importe la façon dont tu choisis de passer ton année de congé, tu pourras apprendre beaucoup de choses sur différents sujets, incluant toi-même.